Bonjour Vincent. Bonjour. Bien des événements se sont passés depuis notre dernière rencontre. Ah oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre cavale actuelle et sur le déroulement de ces événements en date du 25 octobre 2021? Oui, bien sûr. Donc, nous avons réalisé ensemble une vidéo un peu avant. Et le 25 octobre 2021, je travaillais lorsque dans l'après-midi, ça a sonné. Alors, comme les propriétaires de l'appartement du dessous étaient en vacances et m'avaient confié leurs clés pour que je m'occupe d'une fuite qu'il y avait d'ailleurs dans leur appartement et de fleurs, etc., je me suis dit, oh, ça doit être des... À cette heure-là, ça doit être des livreurs. On leur livrait beaucoup de colis Amazon, tout ça. Je suis descendu et j'ai vu par la porte deux personnes en noir. Je dis, ah oui, ça doit être des livreurs avec leur uniforme. Il y en avait un d'ailleurs qui regardait par la fente de la boîte aux lettres. Donc je suis arrivé, j'ai dit, j'arrive, j'arrive. Enfin, quand même. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu deux jeunes, enfin, deux personnes. Et il y en a un qui m'a présenté une carte que j'ai tout de suite reconnue être une carte de la police. Ils m'ont dit, police, on voudrait parler à Vincent Renoir. Ah, j'ai dit oui, j'ai dit, bon, j'ai été assez surpris. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient rentrer. Alors déjà, là, grâce à mon habitude, puisque en 30 ans, je suis un peu habitué, j'ai compris qu'ils n'avaient pas de mandat. Donc j'ai dit, non, non, vous ne pouvez pas rentrer. Non, non. Ils m'ont dit, mais vous êtes Vincent Renoir? Et là, je me suis dit, si ça se trouve, ils n'ont pas ma photo, ils n'ont pas mon visage, ils ne le connaissent pas. Donc j'ai joué le tout pour le tout, j'ai dit non, je ne suis pas Vincent Renoir, je suis quelqu'un qui vient aider ici. Ils m'ont dit mais où est Vincent Renoir? Et fort heureusement, ma mère avait fait une chute quelques jours auparavant et m'avait envoyé sa photo. Et ça m'a donné une idée, j'ai dit ben, Vincent Renoir, il est reparti en France parce que sa vieille maman, qui a 80 ans, elle a fait une chute. Ah bon, ils m'ont dit, mais il va revenir quand? Et j'ai dit, eh bien, je pense dans 3-4 jours, il va revenir. Il a été voir sa maman. Et il y en a un qui m'a demandé, qui m'a dit, mais vous, vous êtes qui? Car vous savez, si vous n'avez pas préparé une identité d'avance, vous hésitez avant de dire une fausse identité. Mais moi, fort heureusement, étant donnant des cours particuliers et vivant en Angleterre sous une fausse identité, j'ai tout de suite donné ma fausse identité sans hésiter. Et d'ailleurs, j'ai vu, il a dit, ah oui, d'accord, il a compris. Donc, il n'a pas du tout deviné que c'était une fausse identité, ayant répondu du tac au tac sans aucun problème. Et donc, ils m'ont dit, on ne peut pas rentrer. Il dit, mais non, 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 il n'est pas là. Mais vous, vous êtes qui? Vous faites quoi? J'ai dit, ben moi, je suis quelqu'un qui vient aider parce que Vincent Renoir, il est parti. Il y a une fuite, je viens aider, et je suis là quelques heures, mais c'est tout. Bon, et alors je leur ai donné le numéro de téléphone et ils sont partis. Naturellement, 3 minutes après, le téléphone sonnait. Et je me suis dit, ok, ils vont certainement revenir. Ils vont certainement revenir, qu'est-ce que je fais? Et donc, dans ce cas-là, eh bien, j'avais préparé un disque dur de secours, une petite somme d'argent. Et naturellement, de mon appartement, je ne pouvais pas partir. Je devais passer par la porte d'entrée. Mais de l'appartement du dessous, des propriétaires qui m'avaient laissé la clé, je savais qu'il y avait un escalier qui partait par la cour de derrière. Et soudainement, ça a sonné. J'ai entendu tambouriner à la porte et là, j'ai dit, ok, j'ai plus beaucoup de temps. Et là, j'ai vraiment été aidé par la Providence, parce que j'avais le trousseau de clés de mes voisins, mais je n'étais pas vraiment habitué aux clés. Je suis sorti de mon appartement, je me suis glissé en rasant les murs pour pas qu'ils me voient devant la porte de l'appartement du dessous, et j'ai réussi à ouvrir la porte très vite, et eux, ils ont ouvert la porte d'entrée. Je ne sais pas comment ils ont fait. J'ai entendu la porte s'ouvrir, mais moi, j'ai eu le temps de fermer la porte derrière moi, et en gardant mon sang-froid, j'ai fermé à clé la porte de leur appartement. Ils sont montés, je les ai entendus monter, et tout de suite, ils ont
voulu rentrer dans l'appartement du dessous, parce que j'avais laissé la porte de mon appartement ouverte, et ils ont dû deviner. Ils ont voulu, mais c'était fermé. Et ils sont montés dans mon appartement. Et là, moi, j'en ai profité, j'ai mis mes chaussures en quatrième vitesse, et je suis arrivé à la porte de sortie de derrière, mais pareil, elle était fermée. Et dans le trousseau de clés, j'ai essayé une première clé, je n'y suis pas arrivé. Mais encore une fois, la deuxième clé, ça a fonctionné. J'ai ouvert la porte. Et là, j'ai dévalé l'escalier. Il était obstrué en bas par un vélo qui était posé. J'ai sauté par-dessus le vélo et je suis parti sans me retourner par la cour arrière. Et je suis arrivé dans la ruelle. Et là, j'ai couru, 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 sans me retourner. Et ce n'est qu'à la fin que je me suis retourné pour savoir s'il me suivait ou pas. Et il n'y avait personne. Et donc là, je suis passé par un espèce de parking. J'ai franchi une petite barrière et je me suis retrouvé dans une rue. Et là, je me suis mis à marcher tranquillement. Tranquillement. Et j'ai été directement dans un parc. Dans un parc public où je savais qu'il ne pourrait pas venir en voiture. Là, j'y suis resté. J'ai enlevé la veste avec laquelle il m'avait vu. J'ai jeté dans un buisson. Et j'ai avisé un masque facial qui traînait par terre. Je l'ai mis sur ma. Bah, je l'ai mis de façon à me cacher un peu. Et là, je suis parti le long des rues en disant, il faut toujours que je bouge, mais je vais essayer de prendre plutôt des ruelles pour ne pas, si jamais ils font des rondes en voiture, qu'ils essaient de voir où je suis, ils ne me trouvent pas. Et vous êtes depuis en cavale. Comment faites-vous pour vivre dans votre cavale? Continuez-vous à donner des cours particuliers? Alors, les cours particuliers, non, j'ai tout abandonné, puisque naturellement, ça, je ne pouvais plus. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai zoné un peu dans le village d'à côté jusqu'au soir, et là, j'ai été frappé chez une amie anglaise que je connaissais, qui était au courant de ma situation. Je savais que je ne pouvais pas frapper dans la journée parce qu'elle travaillait, et le soir, j'ai été frappé chez elle, et je lui ai dit, bon, ben voilà, ils sont venus. J'ai juste eu le temps de fuir. Alors, elle m'a permis de rester dans une petite chambre et on s'est organisé. Et alors de là, elle m'a trouvé un petit travail oui, rapidement, elle m'a trouvé un petit travail chez quelqu'un, chez un de ses amis qui a été mis un peu au courant de ma situation. Donc, qui m'a dit, ok, tu peux travailler. Après le service, la nuit, j'ai toujours ça, c'est possible. Et puis, je te paierai comme ça, en liquide. Donc, voilà comment ça s'est passé. Rapidement, donc j'ai eu un petit travail. Alors, vous savez, dans les premiers temps, on est en mode survie. C'est-à-dire que quand on a fui, eh bien, dans les premiers temps, on ne s'occupe pas de son confort, on dormirait par terre, on dormirait n'importe comment. L'important, c'est de survivre. Et donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, voilà, c'est que je me suis acheté j'ai pu aller un jour dans un magasin et puis je me suis acheté 200 Weetabix, 6 boîtes de lait en poudre, et je me suis dit, voilà, comme ça je vais pouvoir vivre tout seul sans trop déranger mon ami. Voilà. Et puis après, j'ai pu me procurer une bouilloire, donc voilà, j'ai vécu comme ça dans les premiers temps. Et puis ensuite, il y a toujours une deuxième phase, c'est la phase où ben, la vie s'organise. Une fois qu'on a survécu, qu'on n'a pas été arrêté, que on se dit bon. Et là, eh bien, grâce à mon petit travail, alors la vie s'est organisée, c'est-à-dire que par exemple, vous voyez, dans la cour de l'immeuble, il y avait un vélo. J'ai vu un vélo qui était plus ou moins à l'abandon et j'ai demandé. Et c'était le vélo de mon amie. Elle m'a dit, bah ouais, les roues ont crevé. Enfin, j'ai eu une crevaison. Vous savez ce comment on fait? On a une crevaison et puis on rentre comme on peut. Et après, on va pas apporter le vélo chez un réparateur parce qu'on n'en connaît pas ou on n'a pas le temps. Et puis, bah, le vélo a commencé à pourrir ici. Moi, j'ai dit, est-ce que je peux le réparer? Parce que moi, je m'y connais bien. Donc, j'ai acheté un kit de réparation. J'ai réparé le vélo. Et puis de là, bah, ça m'a permis déjà de pouvoir sortir davantage, d'aller au travail le soir à vélo, donc parce que j'étais pas tout prêt. Et puis
Ensuite, grâce à cela, eh bien, avec mon ami, on a trouvé une chambre chez un propriétaire, un veuf, visiblement un veuf, et qui avait peut-être en plus perdu son fils, je ne sais pas trop. Et donc, bah, il était assez content d'avoir quelqu'un. Donc, maintenant, je vis dans des meubles de fortune, mais je vis dans une petite chambre, je l'aide. Je lui fais son ménage. Quand je vais faire des cours, je lui demande de quoi il a besoin. Dernièrement, c'était du lait. Et donc, grâce à mon vélo, parce que je suis un peu à l'écart de la ville, je suis un peu en bordure, je peux aller à la petite supérette très bien tranquillement. Alors, on me demandera sûrement, est-ce que je me cache? Non, pas du tout. Je ne me cache pas, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que je ne suis pas Jacques Mesrine, j'ai pas tenté d'assassiner la reine d'Angleterre. Je pense que les autorités britanniques, Vassar et Noir, ils ont d'autres chats à fouetter, vous savez, que Vassar et Noir. Donc je ne me cache pas. Je sors sans masque dans la rue, comme je me déplace à vélo. À la petite supérette, ben, je suis connu parce que dans la petite ville où je suis, il n'y a pas de français, donc je suis connu comme le français. Il y a un caissier qui parle un peu français, qui est très content de me dire des petites phrases en français, comment ça va, je vous en prie. Donc voilà, donc ça se passe très bien. Et je vais faire mes courses, je me déplace en ville, je fais mon tour à vélo tous les jours, le soir je vais travailler, je suis avec deux autres personnes, on a très bien, on a sympathisé, on parle. Puis vous savez, ici, c'est en fait ch chacun sa privacy, c'est-à-dire qu'on pose pas de questions. On pose pas de questions. Le veuf, eh ben, qui m'accueille, j'ai déposé mon petit sac dans la chambre. Il m'a dit voilà, je vais payer les 2 premiers mois. Il m'a pas posé de questions. Il m'a pas posé de questions. C'est comme ça, c'est comme ça. Du moment que je ne dérange pas, que je fais ma own business, que je poursuis ma vie, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je ne me cache pas. Je vis comme si j'étais, voilà, comme quelqu'un qui travaille de nuit. Je fais mes courses de jour. Je fais ma promenade à vélo parce que on a toujours besoin de s'aérer physiquement. Et je mène une vie très simple, mais c'est pas du tout une vie terrée dans un trou à rats, pas du tout, pas du tout. Vous êtes parti de France il y a maintenant 6 ou 7 ans, en 2015. N'avez-vous pas le mal du pays? Absolument pas. Alors c'est là justement que on voit que la Providence fait bien les choses. Il est évident que si j'étais quelqu'un qui avait tendance à avoir le mal du pays, je ne pourrais pas être le militant que je suis. Je vivrais une torture. Je penserais toujours à la France, etc. Mais il faut savoir que, eh bien, du côté de mon père, mon grand-père, mon paternel, sa famille était d'Ardèche, mais il vivait en Algérie, c'était des pieds-noirs. Ma grand-mère, paternelle, elle était d'Alsace, Gespolsheim, exactement. Donc, déjà, un premier couple qui s'est retrouvé en Algérie. Bon. Du côté de ma mère, mon grand-père maternel était suisse. J'ai toujours de la famille en Suisse, que je n'ai jamais vue d'ailleurs, mais bon. Et ma grand-mère maternelle était de Clermont-l'Hérault. Je pense qu'ils se sont rencontrés à Paris durant leurs études ou peu après, je ne sais pas exactement. Mon grand-père maternel a fait Normale Sup et ma grand-mère maternelle est je crois, faisait des études en fac dentaire, quelque chose comme ça. Ça veut dire que ben moi, je n'ai pas de région d'attache. J'ai pas de terre de mes ancêtres. Ils sont partout. Ils sont partout. Il y en a certains qui doivent être en Algérie, si le cimetière existe toujours. Certains sont d'Alsace, mais moi, je suis jamais allé en Alsace sur leur pas. Je sais juste qu'ils sont de Gelsbolsheim. Un jour, mon père me l'a dit, mais c'est tout. Du côté de la famille suisse, donc je les connais pas. Et puis mes parents se sont installés en Normandie, où on n'avait aucune attache. Il n'y a aucun membre de ma famille qui était en Normandie.
à mon avis, ils s'y sont installés dans l'urgence pour des raisons. Bon, je ne développerai pas ici, mais je crois que mon père devait en catastrophe trouver un travail après ses études de médecine. Donc, ils se sont installés au premier poste, sur le premier poste que mon père a trouvé, et c'était en Normandie. Ça veut dire que, pour moi, la terre des ancêtres, ça ne signifie rien. Les gens qui sont attachés aux ancêtres, qui sont attachés à leur terre, qui font du folklore, je trouve ça très très honorable. Et je pense que c'est même bon. C'est même bon pour un peuple d'avoir une terre d'attache. Mais moi, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me parle pas. Intellectuellement, je comprends. Et si j'étais au pouvoir, je développerais ce que les Allemands appelaient l'héritage des ancêtres. Je pense que je développerai ça, c'est-à-dire que dans l'enseignement, il y aura un enseignement régional pour les enfants d'une certaine région, leur apprendrait, etc. Alors, dans quelle mesure ce serait fait, ce sera discuté, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont peut-être comme moi, mais enfin, peu importe. J'essaierai de promouvoir cet attachement à la terre, mais moi, ça ne me parle pas. Absolument pas. Je dois le dire, je suis un cosmopolite, moi. Je me sens bien partout. J'ai été dans le sud de la France, dans les Alpes, à un moment, je me suis senti bien dans les Alpes. De là, j'ai été en Belgique, je me suis senti très bien en Belgique, sans me sentir belge. Mais j'étais très bien. Et aujourd'hui, je suis en Angleterre, je m'y sens très très bien. D'ailleurs, quand j'étais adolescent, j'allais dans le Devon, puisque le Caumont-l'Éventé était jumelé, je crois, l'est toujours avec un village du Devon, qui s'appelle Ufkelm. Et pour moi, le Devon, c'était le paradis. C'était la région merveilleuse sur la Terre. Et je crois toujours. Donc, aujourd'hui, je me sens très bien en Angleterre. Je me sens, je dirais, entre guillemets, chez moi. Je suis chez moi. J'aime le peuple anglais. J'ai toujours aimé les Anglais. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas que je ne m'intéresse pas, je ne m'implique pas dans la politique britannique. Quand j'étais en Belgique, par exemple, mes enfants, un jour, m'avaient demandé, mais papa, tu votes pas? Bon, outre que je ne suis pas un démocrate, mais j'avais dit non, parce que nous sommes des immigrés ici. Et donc, un immigré n'a pas à donner son avis sur la politique du pays. S'il n'est pas content, il s'en va. Ce que j'applique aux immigrés, je l'applique à moi-même. C'est-à-dire, si je ne suis pas content, je m'en vais. Je m'en vais. Mais je n'ai pas, par exemple, lorsqu'il y a eu des manifestations contre le Brexit, des familles françaises chez lesquelles je donnais les cours, participaient à ces manifestations. Moi, personnellement, non, non. Les Anglais voulaient le Brexit, nous ne le voulions pas. J'avais pas. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de Brexit, puisque justement, je serais resté dans la même situation. Avec le Brexit, j'ai été obligé de demander une autorisation de rester, que je n'ai pas eue, visiblement. Mais à aucun moment j'ai participé à la moindre manifestation contre le Brexit. C'est pas à moi, je suis pas britannique, je suis pas chez moi ici. Je n'ai pas à donner mon avis sur la politique. Ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, c'était pareil en Belgique. Je disais à mes enfants, on n'a pas à rouspéter. Si on n'est pas content, on s'en va. On est des immigrés. C'est tout. Voilà. Je suis un immigré, donc je suis quelqu'un que je considère être de seconde zone. C'est normal. Après, les enfants d'immigrés, ça peut être autre chose. Mais je dirais que la première génération, vous êtes immigré, vous êtes reçu dans un pays, vous êtes quelqu'un de seconde zone. Et donc, je l'applique d'abord à moi avant de l'appliquer aux autres. Donc, en gros, et pour revenir à la question de départ, eh bien, la Providence a bien fait les choses. Si, encore une fois, j'avais une terre d'attache, je vivrais l'enfer. Je n'ai pas de terre d'attache. Ça ne veut pas dire que personne ne doit avoir de terre d'attache, mais pour la mission que m'avait assignée la Providence, je devais être quelqu'un de cosmopolite. Et je le suis. C'est comme À ça. bientôt 53 ans, on peut dire que vous vivez aujourd'hui en dessous du niveau de vie auquel vous auriez pu prétendre, étant fils de médecin, vous auriez pu avoir une situation bien plus confortable. Ne regrettez-vous pas vos choix de carrière, vos choix politiques, qui vous mènent aujourd'hui à 53 ans à ne pas avoir ni de domicile fixe,
ni de travail fixe, de n'avoir aucun patrimoine, ne regrettez-vous pas, quelque part, Absolument pas, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut savoir que justement, là encore une fois, je trouve que la Providence a très bien fait les choses. Mon père était médecin de campagne, à succès, qui travaillait largement 9 heures par jour. Hein, vous savez, le matin de 9 heures à midi, c'était les consultations. Et l'après-midi, c'était ce qu'il appelait les visites. Il allait chez le client. Donc le matin, les clients venaient à son cabinet. L'après-midi, il allait de ferme en ferme ou de maison en maison chez des gens qui appelaient. Et je peux vous dire qu'il faisait au moins une vingtaine, 25 actes par jour. Alors vous voyez, multiplié par le prix d'un acte, c'était pas mal. Et comme il ne payait pas ses impôts ni ses charges, en gros, c'était de l'argent de poche. Jusqu'au jour où il a été rattrapé. Mais bon, pendant 20 ans, comme en plus il faisait de la politique, il avait plus ou moins des protections. Et donc, il n'a pas été très embêté. Donc, pendant 20 ans, on a vécu, je dirais qu'on a vécu comme si aujourd'hui, il gagnait en gros, allez, 8 000 euros par mois. Voyez-vous, puisqu'il ne payait pas, il ne payait rien. On a vécu avec 8 000 euros. C'est-à-dire que moi, j'ai connu les vacances l'hiver au ski, l'été à la mer, dans une maison familiale, dans une maison que l'on possédait. À la fin de l'été sur la Côte d'Azur, donc l'été en juillet c'était à Saint-Jean-de-Monts en Vendée, et à la fin de l'été c'était à Saint-Raphaël, donc sur la Côte d'Azur. J'ai connu les hôtels où vous aviez une baie vitrée dans votre chambre, vous ouvriez la baie vitrée le matin et vous aviez votre petite piscine personnelle. J'ai connu les restaurants où on mangeait dans des couverts en argent, massifs, couverts qui étaient lourds d'ailleurs, et si vous laissiez tomber un couvert, non. Vous le ramassez et on vous en donnait tout de suite un propre. Je veux dire, il n'était pas. On vous avançait votre chaise, vous n'aviez rien à faire. On vous apportait le plat sous des cloches en argent. Moi, j'ai connu tout ça. J'ai connu tout ça. Mes parents habitaient donc dans un village, dans une maison qui était un ancien hôtel, l'hôtel du village. Il y avait le grenier, quand ils sont arrivés, était vide, mais c'était un grenier qui faisait 150 mètres carrés, parce que je crois que la maison faisait à peu près 150 mètres carrés au sol, et ils avaient aménagé complètement le grenier en boîte de nuit. Donc avec lumière, bar, sono, belle sono d'ailleurs, et puis un flipper des années 60, un baby-foot, mais un vrai baby-foot, hein, tout ça, ce qu'on trouvait dans les bars, si vous voulez, hein. Avec des cigares différents, plein de choses pour des alcools, tout ça. Et mes parents donnaient, comme mon père était un peu dans la politique, il était conseiller général, il était maire de son village, il donnait des soirées qui étaient, je veux dire, organisées. Je veux dire, c'est-à-dire que le samedi à partir de midi, il y avait dans la cuisine, ils employaient trois, quatre cuisinières qui commençaient à faire. Et puis le soir, à partir de 8 h, les gens arrivaient. Donc j'ai connu tout ça, moi. J'ai connu tout ça, et c'est un bienfait de la Providence, parce que j'ai connu cette vie très riche, très très riche, où on se refusait rien. On avait deux voitures professionnelles, une pour ma mère, une pour mon père, plus une traction avant, vous savez ce qu'on appelle les tractions avant, les Citroën C15, les tractions avant noires. Mon père avait aussi une Panhard, enfin voilà. On allait en traction avant à Deauville, puisqu'on habitait en Normandie. On allait à Deauville sur les planches le dimanche. Voilà, on allait prendre un thé dans des salons de thé très luxueux. Et j'ai pu m'apercevoir à quel point cette vie était vide, totalement vide. Qu'en fait, c'était une vie de gens qui s'ennuyait et qui fuyait l'ennui. C'était que ça. Je me vois encore le dimanche matin, les gens, il y avait des fois des amis qui restaient dormir à la maison de la famille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors tout était passé dans les repas qui duraient. Puis après le repas, qu'est-ce qu'on fait? Oh ben on va aller à Port-en-Bessin, marcher un petit peu, faire des magasins. Le dimanche à Deauville, les magasins étaient ouverts. Et puis après, on allait au salon de thé à 4 h.
puis on prenait un thé, puis après on venait à la maison et on commençait le repas parce qu'il n'y avait que ça. Le vide. Je me souviens, le soir, donc le samedi soir, quand on avait ces grandes soirées dans le grenier, moi je dormais en dessous puisque j'avais ma chambre, j'étais jeune, je participais pas à ces soirées. Je me souviens encore, j'étais sur mon lit, je regardais le plafond, j'entendais les gens danser, rire, et je me disais, et quoi? Et après? Et demain matin? Il y en aura certains qui auront la gueule de bois, qui vont se réveiller à 10h, 11h, ils vont être comme des zombies. Et quoi? Et ça va donner quoi? Et j'ai commencé à avoir des angoisses sur la vie. Et je me suis dit, mais cette vie, c'est pourquoi? C'est que ça. Et je me souviens, aussi loin que je me rappelle, j'avais déjà une angoisse, enfin pas une angoisse, la mort me hantait. Voyez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que c'était en cours préparatoire, en CP, ce qu'on appelle, ou donc l'équivalent de la 11e, je pense, ou en 10e, en CE1. J'avais un stylo, un crayon papier, vous savez, avec une bande comme ça, qui était imprimée dessus. Ce qui fait que quand on le tournait, on voyait la bande avancer. Vous comprenez? Et je me disais, chaque partie que je vois de la bande, là, c'est mes arrière-grands-parents. Là, c'est mes arrière-arrière-grands-parents. Là, c'est mes grands-parents. Là, c'est mes parents. Là, c'est moi. Là, c'est mes enfants. Là, c'est mes petits-enfants. Et je faisais avancer. Et je disais, ah, ça y est, mes arrière-grands-parents sont morts. Ah, c'est mes grands-parents. À l'époque, il y en avait déjà une grand-mère qui était décédée. Je disais, ah, voilà, papy, Pipo, ils vont mourir là. Puis je regardais, ah, puis là, ce sera le tour de mes parents. Ah, puis là, ce sera moi. Ça y est, ma génération va mourir. Ah, puis là, c'est mes enfants. Et puis là, quand mes enfants mourront, ça fera longtemps que mes arrière-grands-parents seront plus de poussière. Dans les petites classes, en CP ou en CE1, déjà, j'avais cette mort, je me disais, mais. Et donc, cette mort que je voyais, que j'appréhendais, enfin que j'appréhendais, c'est-à-dire que à laquelle je songeais, ça m'a tout de suite fait m'interroger sur le sens de la vie. Alors, on vous a connu d'abord catholique, mais aujourd'hui vous seriez plus proche du bouddhisme. Comment expliquez-vous cette évolution? Ah, alors là, vous me posez la question de mon évolution. Avant d'en parler, je tiens à dire quelque chose. J'ai été catholique, je ne le suis plus, mais je ne suis pas du tout anti-catholique. Hein? J'estime que le catholicisme peut vous permettre de vous améliorer dans la vie et d'être une excellente personne. Donc, ce n'est pas un discours d'un anti-catholique que vous allez entendre maintenant. Et une preuve, parmi d'autres, c'est que j'ai appris qu'un de mes fils était entré dans un séminaire traditionnaliste. C'était peu avant le 25 octobre. Donc j'ai appris qu'un de mes fils entrait dans un séminaire. Eh bien, on avait quelques contacts, et tout de suite, je lui ai dit, écoute, voilà, je te fais un premier virement pour financer tes études, pour t'aider. Et je lui ai fait deux virements, et je m'étais dit, je vais lui faire des virements réguliers pour financer ses études. Il y a eu le 25 octobre. Pour l'instant, je n'ai pas pu en refaire. Mais j'ai déjà prévu, maintenant que je suis un peu stabilisé, d'en refaire. C'est-à-dire que je suis très fier qu'un de mes enfants aille jusqu'au bout de sa foi, foi catholique, et se donne à Dieu et à Jésus-Christ, vision catholique. J'en suis très fier. Et je ne l'encourage pas verbalement, mais par mes virements, je l'encourage. Donc, surtout, n'allez pas dire, attention, il est devenu, il brûle ce qu'il a adoré. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'ai absolument rien contre les catholiques. Un autre exemple, c'est que moi, je comprends tout à fait qu'un catholique soit intolérant. Ah oui. Hors de l'Église, point de salut. On y reviendra. Il est évident que pour un catholique, si quelqu'un est hors de l'Église, ben, il ne va pas se sauver. Ah,
Il peut donc pas admettre qu'il y ait des discours qui se tiennent librement dans la société, qui soient pratiquement cautionnés par lui, qui auraient tendance à entraîner ou à laisser les gens hors de l'Église. Lorsque mon ami Jérôme Bourbon commence à publier ce qui devrait être une série d'articles de moi dans Rivarol, et qu'il s'aperçoit, au bout d'un moment, ah, que dans la suite, je vais parler du bouddhisme, et qu'il cesse la publication, en disant je ne peux pas publier ça, je l'avais prévenu. J'avais dit peut-être que la fin. Il m'avait fait confiance, mais il a vu que non, ce n'était pas possible. Ça n'a pas été du tout un sujet de dispute. Il a décidé, il a estimé que, même malgré les précautions que j'avais prises pour exposer, c'était insuffisant et c'était pas publiable en l'état dans Rivarol. Donc il a cessé la publication. Ok? On ne s'en est pas disputé. J'ai tout à fait compris. Tout à fait compris. J'ai dit, bon, d'accord, tu estimes qu'en tant que catholique, tu ne peux même pas passer cela. Je peux le comprendre. Je peux comprendre. Et on ne s'en est pas du tout disputé pour autant. Je veux dire, voilà. Donc je comprends l'intolérance d'un catholique. L'intolérance au niveau social. Ça ne me choque pas. Je serais même surpris qu'un catholique traditionnaliste ne soit pas intolérant. Il me dirait, non, non, moi je ne suis pas intolérant. Vous pouvez faire des processions bouddhistes dans la rue, dire Hare Krishna. Je dirais, c'est étonnant, tu es incohérent avec toi-même. Normalement, on ne peut pas. Je veux dire, dans un pays catholique, on ne peut pas, c'est pas possible. Je veux dire, voilà. Donc, voyez-vous, vous n'allez pas entendre un discours d'un anti-catholique ou d'un anti-chrétien. Non. Rapidement, j'ai été hanté et j'ai été en recherche. Je me suis dit, quel est le sens de la vie? Et ma première question, ça a été, mais est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et je me rappelle de la parution du livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie, qui a été un peu un événement. C'était le premier médecin qui parlait des expériences de mort imminente. Et j'ai acheté ce livre, j'étais en cinquième. J'étais en cinquième, c'était en fin de cinquième. J'ai réclamé ce livre parce que je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être une réponse, un début de réponse à la question, est-ce qu'on a une âme? Est-ce qu'on a quelque chose après la vie? Ou est-ce que ça s'arrête? Et j'avoue que, voyant le vide des vies autour de moi, parce que moi, je me posais des questions, et je posais aux adultes, je dis, mais est-ce qu'on a une vie après la mort? Et puis à chaque fois, vous savez les réponses que c'était? C'était, oh, mais oui, mais ça, tu te poses ça parce que tu es jeune, tu as le temps, mais tu sais, après, y aura la vraie vie. Ah bon? Ouais. Quand, par exemple, moi, je voulais faire ce qui me plaisait dans la vie. Je voulais être cinéaste. J'ai fait des films, des courts-métrages, à l'époque, grande époque du Super 8. J'ai commencé dès la seconde. Je voulais vraiment être cinéaste. Et quand je disais ça, ils disaient, ah non, 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 ça, tu feras ça en plus. En plus, mais en plus de quoi? Ben, en plus de ton métier. Ah, c'est-à-dire qu'il faut avoir un métier. Ah ben oui, mais non, cinéma. C'est des rêves, ça, c'est des rêves. Ce qui te plaît, c'est des rêves. Donc ce qui me plaît, c'est des rêves. Et par contre, ce qui va m'embêter, aller au boulot tous les jours, ce sera ça la vie. Ce sera m'embêter dans un boulot de, pardonnez-moi, mais de caca. Vous savez, je pense que dans notre vie, tout est simultané. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout est simultané. Nous, dans notre conscience, nous fait une ligne de temps. Mais en fait, il n'y en a pas. Et je vais vous dire, je suis d'accord avec Philippe Guimant, qui dit qu'il n'est pas le seul d'ailleurs, qu'il n'y a pas de présent, pas de passé, pas de futur. Tout est dans l'éternel présent. Et donc, on peut avoir ce qu'il appelle des échos du futur. C'est-à-dire, on peut avoir des choses qui nous viennent du futur et qui nous touchent déjà, parce qu'elles vont concerner notre futur. Et c'est comme ça que dans ma vie, il y a des choses qui m'ont frappé, et ce n'est que des années après que j'ai compris. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Mon père donc prenait ses vacances du 1er au 13 septembre sur la Côte d'Azur. À l'époque, on rentrait en classe le 15 septembre. Et on rentrait donc par le train, on faisait Saint-Raphaël, Paris, vers le 13 septembre, à une époque où beaucoup de gens avaient repris le travail. J'avais repris le travail. Et je me souviens, je devais avoir 8-10 ans, ouais. On arrivait à Paris,
Et notre train s'est retrouvé roulant à côté, pardon, d'un train de banlieue. Et des fois, notre train allait un peu plus vite. Et avec ma soeur, on était à la fenêtre, c'était comme une course. On dit ouais, on est ouais. Et des fois, on allait un peu plus lentement. Et on s'est retrouvé à peu près en face de gens qui allaient travailler. Et parmi eux, il y avait un homme, je me rappelle, c'était un noir. Il avait un imper marron, je m'en souviens encore. Et il avait son attaché-case, enfin, son petit cartable sur les genoux, il allait travailler. Et quand son train allait plus vite que nous, il nous faisait ça, ouais! Et quand notre train allait plus vite, il faisait ça, il disait, ouais, vous allez plus vite! C'était le seul, tous les autres étaient comme ça. Mon père regardait la scène. Et il m'a dit, tu vois, il n'y a que lui là qui est heureux. Les autres, ils s'ennuient. Ils voient une journée où ils vont complètement s'ennuyer, donc ils sont déjà tristes. J'avais entre 8 et 10 ans. Cette scène m'a frappé. Je me suis dit, malgré mon jeune âge, mais alors c'est ça la vie de 99% des gens? C'est s'embêter toute la journée. Oh! Et là, et je la vois encore la scène. Je vois encore ce noir qui était comme ça. Elle m'a jamais quitté cette scène. À l'époque, pourquoi ça m'a, ça aurait pu me passer au-dessus, j'aurais pu l'oublier. Non. Parce que après, je me suis dit, non, moi je ne veux pas être comme ces gens. Je ne veux pas être comme ces gens dans le train de banlieue. Or, les adultes me disaient toujours, non, non, tu seras comme tout le monde. Tu vas prendre ton attaché de caisse et tu iras au boulot. Et tu reviendras le soir. Ah non, c'est pas ça pour moi la vie. Et c'est pour ça que rapidement, le sens de la vie, je me suis dit, c'est quoi? C'est quoi cette vie? C'est quoi le sens? Et rapidement, j'ai été en recherche. Donc c'est pour ça que dès la cinquième, je me suis acheté le livre, enfin, moi offert le livre que j'avais réclamé du docteur Moody, La vie après la vie. Ensuite, j'en ai lu un deuxième qui s'appelait Nous avons tous déjà vécu. Ça, je m'en souviens. Et j'ai commencé à m'interroger là-dessus. Et puis, plus les années ont passé, eh bien, plus je me suis orienté. J'ai reçu une éducation chrétienne. Mais vous savez, en fait, chez mes parents, ma mère était protestante. Ma mère est protestante, mon père était catholique, mais c'était ce que j'appelais une spiritualité déconnectée, c'est-à-dire que oui, on croyait, on disait oui, il y a peut-être quelque chose, oui, c'est possible, mais dans la vie courante, ça n'avait aucune importance. Je veux dire, quand on voyait mes parents vivre, bah, ils vivaient comme des athées. C'était la même vie, je veux dire, il n'y avait pas de différence, et je ne dis pas ça pour les critiquer, au contraire, il fallait que je vive ça. Et donc, moi, rapidement, je me suis mis en recherche. Je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sens? Et plus ça a été, plus je me suis orienté. Donc, j'ai été au catéchisme, le christianisme ne répondait pas à tout. Et c'est pour ça que plus ça a été, plus j'ai été vers les religions de l'Inde, les religions orientales. J'ai découvert la théosophie avec Blavatsky, et puis de là, de fil en aiguille, je suis arrivé. Et donc, à la fin de mon adolescence, on peut considérer que j'étais assez hindouiste. Bien. Et pourtant, les gens m'ont connu catholique. Mais comment ça s'est passé? Mais absolument, je dirais pas par hasard, mais par la providence, mais ça s'est passé comme ça. C'est que, bon, bah, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. J'ai intégré l'éducation nationale, comme on sait. Et il y a 25 ans cette année, j'ai été révoqué de l'éducation nationale. J'ai été révoqué. Et à ce moment-là, bah, il a fallu trouver de quoi vivre, puisque j'avais plus rien. Alors d'abord, on a été dans les Alpes, dans une école privée, mais ça s'est très mal passé, bon, bref. Et puis finalement, on s'est retrouvé en Belgique. Et à l'époque, on avait 3 enfants. Et dont le premier allait être en âge scolaire. Et un ami révisionniste, Pierre Moreau, je peux le citer, hein, qui est décédé d'ailleurs depuis, nous a dit, ah ben vous avez une école qui est très bien pas loin de chez vous. Une école où vous serez bien accueillis, il n'y a pas de problème. On a été. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était une école de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice. Donc on a inscrit notre enfant ici. On a vu des prêtres en soutane. Comme Don Camillo, on était surpris. Et puis,
Ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, les gens nous ont dit, bon, bah, maintenant que votre fils est dans l'école, il faut venir à la messe. Hein? Bon, on a été à la messe, on a intégré ça. La première fois, je me rappelle, on est arrivé, il n'y avait plus que des places au premier rang, j'étais en jean. Détonné complètement, complètement. Et puis, et ben après, on nous a dit, ben voilà, ah, vous êtes des nouveaux, c'est bien, c'est très bien, venez dans notre communauté. Et c'est comme ça qu'on a été embarqué dans le catholicisme traditionnaliste. Mon épouse y a trouvé vraiment son élément, vraiment son élément. Et moi, au départ, je me suis dit, bon, bah, on a été bien accueillis, après tout, on sait qui je suis, on ne me crache pas à la figure, ah, bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc, je me suis dit, je vais devenir un bon catholique, moi aussi. Donc ça ne résulte pas d'une recherche spirituelle, a priori. Absolument pas, absolument pas. Il n'y D'accord. a pas eu d'évolution. C'est vraiment les circonstances qui nous ont amenés là-dedans. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, bon. Eh bien, je vais devenir un bon catholique et j'ai commencé à m'intéresser à tout cela. Donc, c'était en 1999, 1999, 2000, etc. On a commencé. Alors, bah, voilà, j'ai suivi le cursus, catéchisme, à la maison, je le faisais tout seul, je ne suivais pas de cours même. Et puis, j'ai essayé, voilà, très bien, tout ça, l'histoire de l'Église, parfait. C'était bien. Et puis un jour, j'ai découvert le célévacantisme, ce qu'on appelle, c'est-à-dire donc les groupes catholiques traditionnalistes qui ne reconnaissent pas le pape. Et là, j'ai reconnu, je l'ai connu grâce à l'abbé Grégi. Et là, je me suis dit, tiens, ah ben oui, en effet, cette position m'est apparue comme très logique. Je me suis dit, si en tant que catholique, on commence à contester, à dire que la messe du pape, c'est pas la bonne messe, etc. Il me paraissait tout à fait logique d'aller jusqu'au bout et de dire bah, ce pape n'est pas un pape. C'est pas possible. Et donc j'ai commencé, moi je me suis orienté vers le célévacantisme. Alors naturellement, ça a commencé avec mon épouse, par ma faute d'ailleurs, attention, hein, je jette pas la pierre à mon épouse. Hein. Mais avec la fraternité, il a commencé à avoir des heurts. Des heurts, parce que là, quand même, il y avait une opposition. Et c'est là que j'ai commencé à me poser certaines questions. Parce que je me suis dit, bon, en tant que catholique, c'est déjà assez dur de faire son salut. Ah ouais, il y a des tentations partout. Vous savez, cette phrase, le diable est là comme un lion rugissant. Donc il y a des tentations, surtout dans cette société moderne. Il ne faut pas tomber dans le péché mortel, il faut faire des bonnes confessions. Il y a déjà suffisamment. Puis là, en plus, Dieu nous envoie une autre épreuve, c'est que son Église, bah, l'Église qui est à Rome, bah, c'est plus l'Église vraiment. Il faut aller dans une barque de secours qui est la fraternité Saint-Pilice. Non, c'est déjà assez dur. Et Dieu, franchement, il nous impose en plus, dans cette époque troublée, des nouvelles épreuves inconnues, c'est-à-dire que l'homme qui est à Rome, l'homme en blanc, c'est le pape, mais pas vraiment. Alors après, il y avait toutes ces discussions. Faut-il être dans la fraternité Saint-Pilice? Faut-il être célévacantiste? Et puis si on est célévacantiste, est-ce qu'il faut être totalement, dire que le pape est un hérétique, ce qui n'est rien du tout? Ou il y avait encore une autre thèse, mais non, le pape il est formalitaire, enfin il est matérialitaire, mais pas formalitaire. Matériellement il est pape, mais formellement il ne l'est pas. Et là, alors c'est la thèse cassis sciacum. Alors je me suis intéressé à tout ça. Donc, faut-il être dans la fraternité et dire une messe una cum, on est un avec le pape, mais on ne lui obéit pas tout le temps? Parce que, y a des moments, il faut être conforme à la tradition. Ou est-ce qu'il faut carrément être non una cum? Ou est-ce qu'il faut être una cum sans lettre avec cassis sciacum? Je me disais, mais enfin. Parce que c'était important, mais attention, on ne peut pas se tromper. Hors de l'église, point de salut. Donc si vous êtes dans l'église moderne, vous êtes dans une fausse église. Si vous êtes célévacantiste, vous êtes hors de l'église. Donc c'était le discours de la fraternité sacerdotale Saint-Pilice.
Ok. Mais je disais, mais alors, comment un fidèle, un simple fidèle peut-il choisir? Parce que c'est bien beau, mais alors, d'un côté on dit, mais oui, mais non, le pape, il est quand même pape. Un pape ne peut pas être hérétique. Ah bon? Ah non, il y a la bulle de Paul IV. Un pape hérétique, un pape peut être hérétique. Ah, mais il faut qu'il soit déposé. Ah, mais oui, mais personne ne peut déposer le pape. Et alors? Chaque branche y allait de ses propres, invoquer ses propres théologiens, ses propres, je veux dire, ses propres penseurs. Qui vous, alors, qui à chaque fois, qui vous invoquez des textes à l'appui. Alors, bulle de Paul IV, pas bulle de Paul IV, machin, tel ouvrage, etc., écrit par un théologien, non, mais tel autre théologien a dit ça. Et je me disais, mais enfin, donc pour rester dans l'Église, il faut être soi-même théologien, hein, je veux dire. Mais alors, que font les gens, le pauvre fidèle? Comment Dieu peut-il nous imposer cela? Comment Dieu peut-il nous imposer cela? C'est quand même. Et moi, je pensais toujours à ma grand-mère qui était décédée en 1991, en 91, mais qui avait été à l'église du quartier toute sa vie. Alors quoi, elle avait terminé hors de l'église? C'était pas de sa faute. Ah oui, mais c'était pas de sa faute. Non, peut-être pas. Mais ça, c'est une histoire entre Dieu et elle. On ne sait pas. Peut-être qu'elle était. Ah, il faut savoir, est-ce qu'elle avait une ignorance invincible ou pas invincible? Bah oui, enfin, des affaires complètement folles. Complètement folles. Et puis alors? Nous, quand on avait des enfants, baptême très rapide. Il fallait les baptiser très rapidement. Ah bon? Ben oui, parce que un enfant qui meurt sans être baptisé, il n'est pas dans l'église. Donc, et ça aussi, ça m'a posé un énorme problème. Ça m'a posé un énorme problème parce que on disait, ben oui, si un enfant n'est pas baptisé, il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas. Non. Donc, il n'est pas dans l'église. Mais alors? Alors, ben certains disaient hors de l'église, point de salut, il est damné. Il est damné. Damné? Ah bon? Ben oui. Enfin, il est damné, mais il n'en va pas de sa faute. Ah, mais c'est le péché originel. Et donc, je suis tombé sur la doctrine du péché originel. Bon, je savais qu'il y avait le péché originel, mais c'est là que je suis. Et on me disait, ah, ben oui, il y a le péché originel. Donc, sans le baptême, vous n'êtes pas dans l'église. Enfin, le péché originel, c'est pas de notre faute. C'est pas nous. En admettant l'existence d'Adam et Ève, c'est la faute d'Adam et Ève, c'est pas de ma faute. Ah mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Si votre père, qui a une fortune, dilapide sa fortune, ben vous n'avez pas d'héritage. C'est pas de votre faute, mais c'est la faute de votre père, mais vous n'avez pas d'héritage. Eh ben voilà, Adam et Ève, ils ont perdu l'état de grâce. C'est pas de votre faute à vous, mais ils peuvent plus vous le transmettre. Alors cet argument était bon. Enfin, m'apparaissait bon. Je dis, ah ben oui, en effet. Mais alors, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Je me disais quand même, alors, l'enfant qui n'est pas baptisé, il va en enfer. C'est quand même pas moi qui, bon, je veux dire, si j'hérite pas, si mon père ne me donne pas de fortune, je peux travailler et puis en acquérir une. Par contre, l'enfant, s'il va en enfer, c'est pour l'éternité. Alors il y avait deux discours là, il y avait le discours oui, mais il sera dans une partie de l'enfer moins douloureuse. Certes, mais il reste quand même en En enfer. enfer. Et puis alors il y avait l'autre, non, non, il sera dans les limbes. Dieu a prévu. Il a prévu un espace et les limbes. C'est quoi? Eh bien dans les limbes, vous avez une espèce de bonheur éternel, mais un bonheur purement humain. C'est-à-dire en gros, ce sont un peu les images que véhiculent les témoins de Jéhovah, vous savez. C'est un monde où on est éternellement jeune, où les animaux sont tous amis les uns des autres, il n'y a plus de guerre, on est tous copains, on est tous bons voisins, on peut caresser le lion, jouer avec la panthère. Finalement, je me dis, mais en fait, c'est un peu un rêve transhumaniste, quoi. C'est, je veux dire, jeune pour l'éternité, vivre pour l'éternité sans jamais s'ennuyer. C'était, je me dis, mais en fait, finalement, quelle est la différence avec le transhumanisme? C'est une espèce de transhumanisme saupoudré d'un peu de spiritualité, mais c'était ça. Eh oui. Alors, on me disait, bah, ce sera ça leur bonheur. Mais on me disait en même temps, attention, l'homme, l'être humain, l'homme avec un grand H, est fait pour la vision béatifique. Son seul vrai bonheur, c'est
La vision, c'est voir Dieu face à face. C'est ça, le seul vrai bonheur. Faut dire moi ce que j'avais compris. Alors, cette doctrine des limbes, en gros, c'était, ben, eux, ils n'auront pas la vision béatifique, mais ils auront un espèce de bonheur. Ça me faisait un peu penser à, en gros, on disait, bon, écoutez, il y a un grand festin dans la pièce, vous voyez, là, ben, si vous êtes baptisé, c'est bon, vous y participez, puis vous êtes en état de grâce. Si vous n'êtes pas baptisé, c'est par la faute de vos parents, donc c'est-à-dire que vos parents ne vous ont pas acheté de ticket pour ce festin, vous voyez, donc vous ne pouvez pas rentrer. Mais, comme on est gentil, vous allez pouvoir rester près de la cuisine et sentir les odeurs. Voilà, ce sera votre bonheur, vous sentirez les odeurs du festin. Vous, on vous permet. Ceux qui ont vraiment été mauvais, ils sont près des ordures. Mais vous pouvez sentir les bonnes odeurs. Ouais, mais enfin bon, c'est malgré tout, quand on a faim, sentir les odeurs, si on est fait pour manger et qu'on ne me laisse que sentir les odeurs, l'explication des limbes, moi, me convainquait pas. Ça ne me convainquait pas du tout, cette affaire. Et puis après, est arrivé le problème du salut des infidèles, comme on disait. L'Indien dans sa jungle. Ah ouais, mais l'Indien dans sa jungle, il peut avoir un baptême de désir. Alors il faut qu'il... Bref, il y avait des choses qui me paraissaient relativement bizarres. Puis alors, pour revenir au péché originel, pour revenir au péché originel, eh bien, il y avait quelque chose qui me gênait un peu. C'est qu'on disait, mais oui, vous voyez, Adam et Ève, ils ont péché, mais Dieu leur a promis un rédempteur. Ah oui, très bien. Ouais, c'est-à-dire qu'en effet, il les exclut du paradis terrestre, mais il leur promet un rédempteur. Bon, ok. Ah, donc ils ont une peine. Oui, ils ont une peine. Ils vont être en dehors du paradis terrestre. Vous savez, la terne, il faudra qu'il gagne son pain à la sueur de son front. Madame, elle va enfanter dans la douleur. Ça va pas être facile, etc. Ah, oui, très bien. Bon, d'accord. Ils ont une peine. Ils ont fait un péché grave. Ils ont une peine. Ok. Allez, admettons une peine de 30-40 ans. C'est beaucoup. Mais là, c'est pas le cas. Le Rédempteur, on l'attend. Certains catéchismes qui disaient 4000 ans. Qu'on attende le Rédempteur pendant 30-40 ans pour la faute qu'on a commise, on est d'accord. Mais qu'on attende une génération, c'est déjà énorme. Mais qu'on attende 30-40 générations, c'est quoi ce sens? Parce qu'en plus, on me disait, vous savez, pendant toute cette période où on a attendu le Rédempteur, le diable était à l'œuvre. Et donc, il a fourvoyé plein de gens. C'est comme ça que sont nées différentes religions, des mauvaises religions. Enfin, Dieu. Vous ne pouvez pas apporter son rédempteur un peu plus vite, hein, je veux dire, au lieu de laisser tout ce bazar se faire là, la tour de Babel, toutes ces bêtises, je veux dire, il nous laisse tout seul et après il nous dit pendant 40 générations, puis après il nous reproche, il laisse le diable à l'œuvre. C'est quand même un peu bizarre ça, non? Vous ne trouvez pas? Mais alors à chaque fois c'était, oui mais vous pensez trop. Alors il y avait deux discours. La religion n'est jamais en contradiction avec la raison. Vous devez utiliser votre raison pour raisonner la croyance, votre croyance. Vous devez la fortifier à la lumière de la raison. Mais moi, quand je disais, ouais, mais moi, ma raison, elle n'accepte pas ça. Elle n'accepte pas ça. Ah oui, mais il y a des moments où votre raison doit faire un acte d'humilité. C'est pour ça qu'il y a des mystères. Oui, d'accord, le mystère de la Sainte Trinité. Je veux bien croire qu'un seul Dieu en trois personnes, ok, c'est un mystère. Ok, le mystère de l'incarnation, c'est un mystère, je ne peux pas le comprendre. Mais pourquoi Dieu attend 4000 ans, des générations pour envoyer son rédempteur? Pourquoi est-ce qu'un enfant qui est pas baptisé n'aura que les odeurs de la cuisine? Alors que ce n'est pas de sa faute. Ben ça, ma raison, elle ne le comprend pas. Elle n'arrive pas à le comprendre. Eh ben vous êtes un orgueilleux. Non, non, je ne fais qu'appliquer ma raison. Ah, votre raison vous pousse à l'orgueil. Et voilà, vous voyez pourquoi. Il y avait un autre problème. Il y avait un autre problème, c'est que on se querellait. Bulle de Paul IV, pas bulle de Paul IV, pape matérialitaire, formalitaire. Mais au fond de moi-même, je lui disais, et la charité du Christ dans tout ça? Et le Christ qui pardonne à la femme adultère? Eh bien. J'avoue que quand j'étais catholique traditionnaliste, je ne parle pas pour les autres, mais pour moi, j'avais tendance à ne pas cultiver la charité. J'avais tendance plutôt même à être cassant. C'est comme ça. C'est des vacantistes. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Vincent, elle est où la charité là dans ta vie?
Elle est où? Elle était nulle part, presque nulle part. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a des gens par contre qui développent beaucoup l'amour et la charité, ce sont les modernistes. Et soudainement, je me suis dit, mais enfin pas soudainement, mais qu'est-ce qu'ils disent les modernistes? Pourquoi ils ont fait évoluer la messe? Parce que chez les traditionalistes, on critiquait les modernistes, mais on avait toujours des modernistes ce qu'en disaient les traditionalistes. C'est-à-dire qu'on nous donnait des revues qui analysaient le modernisme par les traditionalistes. Et moi, c'était un peu comme le révisionnisme au grand public. On ne dit jamais aller écouter les révisionnistes. On dit voici ce que disent les révisionnistes. C'est-à-dire qu'on présentait toujours au grand public le révisionnisme par le biais de leurs adversaires. Et ça, moi, j'étais contre. Or, en religion, le modernisme m'était toujours présenté par ses adversaires. Je disais, je ne peux pas, moi, personnellement, rouspéter contre ça quand il s'agit du révisionnisme, dire aux gens, mais non, lisez d'abord les révisionnistes, ne lisez pas ce que les adversaires en disent. Et je ne pouvais pas, en religion, quand je m'intéressais au modernisme, ne m'intéresser que par les revues traditionnalistes. Et je me rappelle, ça a été mon premier livre que j'ai acheté, écrit par des modernistes, qui s'appelait Pourquoi le canon de la messe en français? Un livre rouge, je m'en souviens. Je l'avais acheté chez Emmaüs, enfin, petit rien, on appelait. Et j'ai commencé à les lire. Et c'est là que j'ai vu que, bah, ils avaient un discours qui se tenait. Ils avaient un discours qui se tenait. Et finalement, bah, j'ai commencé à me dire, est-ce que je ne suis pas dans l'erreur? Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer avec toutes ces histoires? Donc les motivations de votre évolution sont purement spirituelles. Vous n'avez pas quitté le catholicisme pour quitter votre épouse. Ah oui, ça a été dit en effet. Il est vrai qu'à ma sortie de prison, enfin pas immédiatement après, quelques mois après, j'ai quitté mon épouse et ma famille. Et donc je sais que dans les milieux, on me l'a dit, dans les milieux, le bruit a couru que j'avais abandonné le catholicisme pour ne pas avoir trop de remords. Alors ça, c'est pas du tout vrai. Alors c'est vrai que les deux événements sont à peu près concomitants, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. S'ils avaient à voir, je le dirais, il n'y a pas de raison. Je veux dire, non, non. Comme quoi, d'ailleurs, il faut se méfier. Il faut se méfier des thèses qui nous disent, ah, il y a eu l'événement A et l'événement B à peu près en même temps, donc il y a une raison, donc il y a un lien entre les deux. Ça peut être vrai, mais il ne suffit pas de le dire, il faut souvent le prouver. Hein, vous voyez, et dans le révisionnisme, on connaît ça. Hein. Je veux dire, Hitler, en octobre, dit que les Juifs vont être expulsés vers l'Est. En décembre, le camp de Chelmno est fait. On dit, ben voilà, premier camp de la mort, 2 mois après, donc ça veut bien dire Chelmno, etc., etc. C'était bien un camp de la mort, que expulser les Juifs, ça voulait dire les massacrer, etc. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et ben pour moi, ça a été ça. D'ailleurs, je dois dire que c'est en prison que vraiment les écailles sont tombées. Je l'ai déjà raconté, mais je peux le raconter encore une fois rapidement. À la prison de Forêt en Belgique, un jour, il y a je veux dire, un prêtre qui est passé, donc l'aumônier, qui a dit, est-ce que ça vous intéresse une Bible? Bon, j'avais rien à faire, presque rien. J'ai dit oui, tiens, je vais lire la Bible. Enfin, j'avais vraiment jamais lu la Bible en tant que telle. Et c'était une belle Bible d'ailleurs. Et j'ai commencé à lire. Et c'est là, en lisant j'ai commencé par les Évangiles, le Nouveau Testament, naturellement, enfin naturellement parce que j'étais catholique, que j'ai vu que la finale de l'évangile de Marc n'apparaissait pas dans ce qu'ils appelaient les meilleurs manuscrits, c'est-à-dire qu'elle avait été rajoutée après. Or, cette finale, c'était le moment où Dieu disait, enfin, Christ disait, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, et ceux qui ne seront pas baptisés, enfin, je veux dire, ne seront pas sauvés. C'était toujours, dans les catéchismes, le premier argument qu'on invoquait avec aussi le discours secret Christ, enfin le discours de nuit du Christ, mais c'était le premier argument, la finale de Marc, que l'on invoquait pour justifier la nécessité du baptême. Or, déjà, cette finale n'était que dans Marc, elle n'était pas dans les autres évangiles. Or, la nécessité du baptême, on me disait, le baptême, c'est lui
qui est votre porte d'entrée dans la vie éternelle. Donc c'était capital. Là, votre vie éternelle était soumise, dépendait de si vous étiez baptisé ou pas. Déjà, au départ. Je me dis, mais donc ce commandement aurait dû être dans les quatre évangiles. Au début, pratiquement. Or, il n'était que dans la finale de Marc, et cette finale était absente des meilleurs manuscrits. Alors là, ça... Là, j'en ai reçu un choc. Je me suis dit, mais comment ce commandement capital dont dépend notre bonheur éternel ou notre malheur éternel, brûlé en enfer pour l'éternité, n'est que dans un évangile? C'est le Christ qui le dit à la fin, au moment de monter, au moment de s'en aller, il dit au fait, il y aura ça. Hein. Mais c'est seulement dans un évangile et pas dans toutes les versions. Alors là, ça a été une explosion de ma foi. Je dis, c'est pas possible. Alors on me disait, mais non, il y a aussi le discours tenu par le Christ. Oui, mais ça, l'autre discours, c'était un discours de nuit. Vous savez, le discours à Joseph d'Arimathie, c'est un discours privé, dans un évangile là encore. Et puis c'était pas vraiment il faut renaître de l'eau, enfin bon, c'était pas vraiment, c'était pas si clair. Et ça, alors ça d'ailleurs, ça m'a après donné une autre réflexion. Je m'étais dit, ok, Dieu a attendu des siècles pour nous envoyer un rédempteur. Bon, c'est que des siècles après, c'est le grand bazar dans les croyances religieuses. La moindre des choses, c'est quand il nous envoie le rédempteur, qu'il nous l'envoie dans toute sa majesté, dans un éclair, dans le ciel, que ce soit évident. C'est-à-dire que ce soit évident à toute l'humanité, que voilà le rédempteur qui arrive. Or non, il arrive dans une petite tribu perdue, dans une étable, pauvrement, en étant inaperçu. Je me dis quand même... En plus, alors il nous envoie un rédempteur, mais il l'envoie de façon pratiquement anonyme. Et on reproche à des gens de ne pas l'avoir connu. Alors on disait, mais non, oui, outre les anges qui ont été au-dessus de l'étable pour chanter les louanges de Dieu, oui, enfin bon, c'était seulement pour les gens qui étaient tout près, il y avait les trois rois mages. Ben oui, mais les trois rois mages, ils apparaissent à un moment, puis c'est fini. Ils repartent. On n'en entend plus parler. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces rois mages? Je veux dire... Vous me dites, ah ben oui, mais ça montre l'autorité du Christ. Oui, mais enfin, aux yeux d'un, pardonnez-moi, mais aux yeux même d'un Romain, on dit, vous savez, il y a trois rois mages qui sont venus, puis sont partis. Il n'y a pas grand... Puis alors, attention, par les rois mages, c'est lié au massacre des innocents. Les rois mages vont voir Hérode. Alors, il est où le roi, là, qui est né? Hérode est inquiet, là. Bon, c'est quoi, là? Il y a un roi. Ben, allez l'adorer, puis... Quand vous l'aurez adoré, revenez me dire où il est pour que j'aille l'adorer aussi. En fait, Hérode, il dit, ouais, ce roi, il risque d'être un concurrent pour moi. Il faudrait peut-être que je le zigouille, ce roi. Et Hérode dit au roi mage, bah, allez-y, puis revenez après. Hérode n'a pas l'idée de faire suivre les rois mages par un messager. Non, pas du tout. C'est complètement incohérent, cette histoire. Et alors, une fois qu'Hérode voit qu'il a été joué par les rois mages, qui sont partis sans le prévenir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, ben, je vais faire tuer tous les enfants de la région. Et ce massacre, c'est quand même pas rien, n'est pas consigné dans les annales. C'est-à-dire, Flavius Joseph, qui nous parle dans la guerre des Juifs, enfin, dans ses annales, du règne d'Hérode, n'en parle pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors, on nous cite un extrait de l'Ancien Testament, qui, après, quand j'ai été voir l'extrait, ça n'allait pas du tout. Ça ne prouve pas du tout qu'il y a eu un massacre des innocents. Et c'est pour ça que là, c'est pareil. Là, ça me... Non, là, je ne pouvais plus croire. C'était fini. Non, j'ai perdu la foi. J'avoue que j'ai perdu la foi. Et après, bah, j'ai commencé à lire, bah, justement, des révisionnistes des évangiles. Et notamment, j'ai lu Strauss, les trois tomes, enfin, paru en français en trois tomes, la vie de Jésus-Christ. Et j'avoue que... Bah, alors je crois au Christ, je crois qu'il a existé, je crois que ça a été un éveillé, comme on dit chez les bouddhistes, un éveillé, c'est-à-dire qu'il a eu accès.
qu'il a donné des enseignements, et je pense que les enseignements sont retraduits de façon la plus pure dans l'évangile de Thomas, hein, dont un exemplaire a été retrouvé en 1945. C'est que des phrases mises bout à bout. Alors ça fait un peu gnostique, c'est vrai, mais je pense que les enseignements du Christ étaient assez gnostiques d'ailleurs. Et je crois que c'est là, c'est tout le reste, notamment l'évangile de Matthieu, pour moi, non, il y a plein de fables dans ces affaires. Et les révisionnistes de l'évangile l'ont bien démontré pour moi. Donc je dois dire que, en prison, c'est là que j'ai perdu la foi. J'ai perdu la foi. Je ne pouvais plus. Je pouvais plus. Alors, j'allais toujours le dimanche à la messe de l'aumônier. Ce n'était pas un problème, mais j'ai perdu la foi. Et quand je suis sorti, eh bien, j'ai continué à étudier et ma foi s'est de plus en plus évanouie. Donc, encore une fois, j'ai perdu la foi, mais je crois que le Christ a existé. Je crois que c'était un éveillé, un Bouddha, comme on dirait. Pardonnez-moi, je vais choquer certains, mais... C'est ça, pour moi, donc, c'est un éveillé parmi tant d'autres, parmi des milliers d'autres qu'il a eu dans l'histoire humaine. Il y a certaines de ses paraboles qui sont extraordinaires. Et je suis très attaché à cette personne qui est bourrée de compassion et d'amour. C'est pour moi, le Christ fait partie de ma vie. Mais je ne suis plus catholique et je ne me considère pas comme... chrétien, parce que bon, faut pas être. Voilà. Vous parliez un peu plus tôt d'un de vos fils au séminaire. Nous savons aujourd'hui que vous avez dû quitter votre famille. J'ai pas dû quitter, j'ai choisi de quitter. Vous l'avez quitté. Ne vous manque-t-elle pas et n'avez-vous pas des remords après cette disparition ? Oui, non, je n'ai pas. Ma famille ne me manque pas. La famille ne me manque pas. Ça pourra choquer certains, mais je vais expliquer pourquoi. En fait, je pense maintenant, j'en suis arrivé à cette croyance, je ne veux convaincre personne, mais que nous avons plusieurs existences, pas forcément sur la Terre d'ailleurs, pour moi il y a plein d'autres dimensions d'existence, d'autres modalités d'existence, que ce soit ailleurs dans l'univers ou même dans d'autres dimensions qui ne sont pas matérielles. Et donc nous avons plusieurs existences, et que ces existences ont un objectif, c'est de nous bonifier pour nous ramener au Créateur, pour nous ramener dans l'unité. Et donc, avant la naissance, on choisit les expériences, les épreuves que l'on aura, afin de les surmonter et de progresser. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que moi, par exemple, si je suis né dans une famille où mes parents étaient très matérialistes, alors que moi, dès le début, j'étais plutôt attiré vers la spiritualité, si j'ai choisi de naître dans cette famille, c'était justement pour me montrer, pour me faire vivre une vie matérielle, une vie de bonheur matériel, pour me montrer qu'une vie était vide. Et c'est pour ça que j'aime mes parents. Mon père est décédé il y a 2 ans, j'aime beaucoup ma mère. Je veux dire, avant d'avoir fui, on était en contact régulier, elle venait. Je n'en veux pas du tout à mes parents, alors qu'on pourrait dire, ils n'ont pas été faits pour vous. Pas du tout. Ils ont été faits pour moi. En n'étant pas faits pour moi, ils étaient faits pour moi. Puisque justement, ils m'ont montré le vide de la vie. Et ça, je les en remercie. Parce qu'on ne pourra pas dire aujourd'hui, oui, en fait, vous n'avez jamais su ce que c'était une vraie vie, vous avez toujours été un marginal, donc vous savez. Non, pas du tout. Je sais ce que c'est. Donc, on choisit ses épreuves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour moi, mes enfants, ce sont des âmes qui se sont incarnées avec papa Vincent, parce qu'ils devaient vivre des épreuves. Ils devaient vivre notamment l'épreuve d'un père qui les abandonnait. Voilà. En gros, je suis arrivé à la conclusion que, finalement, mes enfants ne sont pas mes enfants. Je suis leur géniteur. Mais ce sont des âmes qui... voyage dans des multiples existences. Alors on peut former peut-être un groupe d'âmes d'ailleurs, mais dans chaque vie on a un rôle. Et donc, ils avaient choisi ce papa qui les abandonnerait parce que c'est nécessaire à leur évolution. Voilà. D'ailleurs,
Et même si on étudie, si on ne prenait pas cet argument, je dirais que par certains côtés, le fait que je les ai abandonnés n'a pas que des côtés négatifs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avant que je sois parti, je me disais, mais quand ils vont être à la fac, quand ils vont avoir un travail, on va pas des fois leur dire, mais t'es de la famille de ce salopard de nazi, là? Et je me suis dit, ben, aujourd'hui, le fait que je les ai abandonnés, ils peuvent dire, si on leur dit ça, ils pourront toujours dire, notre père, il nous a abandonnés il y a 15 ans, on le voit plus jamais, et ce sera honnête. Donc, vous voyez, déjà, rien que pour une explication purement terrestre, finalement, il n'y a pas que des désavantages. Bon, après. Mais surtout, voilà, dans une explication spirituelle, je veux dire, ils avaient choisi cette épreuve, comme moi j'en ai choisi d'autres. J'ai choisi d'être révisionniste avant de naître, et je savais que j'aurais toutes ces épreuves. Alors on va me dire, ben, c'est un peu facile. Donc vous faites n'importe quoi, vous abandonnez votre famille, puis après vous vous trouvez des belles excuses. Non, pas du tout. En fait, pour moi, il y a deux choses. C'est que si vous regardez au niveau absolu, tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Tout s'arrange au mieux. Mais c'est ce que j'appelle l'analogie du tapis. Vous regardez un tapis, face, pile, il est extrêmement beau. Vous le retournez, vous voyez un enchevêtrement de fils désordonné, un tapis vous paraît très moche. Eh bien ça, la face qui nous paraît très moche, c'est notre vie sur la Terre. Notre vie dans le relatif. Et dans le relatif, il y a un mal et il y a un bien. Et dans le relatif, en abandonnant ma famille, j'ai mal agi. Je me suis donc fabriqué du karma. Et ce karma, ça veut dire que je ne devrais pas payer. Mais justement, le karma me revient. Je vais être obligé de prendre la responsabilité de ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai déjà prise. Je pensais, en quittant mon épouse pour mari, vivre enfin, vivre une vie plus heureuse avec une femme qui me correspondrait davantage. J'en veux pas à ma première épouse, je suis le premier fautif de ce qui s'est passé dans mon premier couple. Hein, attention, je lui demande, d'ailleurs, je lui ai écrit pour lui demander pardon, pour lui demander de me pardonner, et dans cette carte, je n'ai absolument pas dit je te pardonne. Absolument pas. J'ai pris toute la faute sur moi en disant je te demande humblement pardon. Donc je pensais vivre une vie heureuse avec Marie, on a eu un enfant, et en 2015, eh bien, quand je suis parti en Angleterre, Marie m'a quitté. Donc, ben, tout mon bonheur s'est évanoui. Et pour ceux qui me suivent depuis 2015, rappelez-vous qu'en 2015, j'étais très mal et j'ai voulu me suicider à un moment. J'ai voulu, parce que là, je me suis dit, voilà, je suis en Angleterre, je suis en exil, et j'ai tout perdu. Tout. Y compris celles, les deux personnes, Marie et notre fille, avec qui je pensais faire mon bonheur. Dans la maison où j'habitais, j'avais déjà préparé la chambre pour notre fille. J'avais mis un abat-jour Hello Kitty, je ne me rappelle plus, enfin, j'avais mis des posters au mur, j'avais un lit, tout était prêt pour elle. Et quand Marie m'a fait comprendre que non, c'était fini, alors là, je me souviens qu'un soir, j'ai commencé en plus à donner des cours particuliers, parce qu'il a fallu que je paye des choses que je n'avais pas prévu de payer, donc j'avais plus de sous, j'étais en exil, et je me rappelle, donc j'ai commencé à donner des cours particuliers, et un soir, sur un pont de la Tamise, c'était vers novembre, je me suis arrêté sur le bord du pont et j'ai dit, je saute ou je ne saute pas. Je n'ai pas sauté. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, sûrement une lâcheté face à la mort, qu'on a tous, je pense, hein, moi comme tout le monde, sans envie de tomber dans l'eau, là, là. Et puis, surtout, je me suis dit, Vincent, tu as toujours dit qu'il fallait privilégier le bien commun sur le bien particulier. Entre ce que tu as encore à offrir aux gens en tant que révisionniste pour le bien commun et ta petite souffrance particulière, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Et ça a été, je me suis dit non, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore des choses à dire. Donc je ne me suiciderai pas. Et voyez-vous, cette épreuve m'a convaincu d'une chose, c'est que quand vous faites une sottise, ce que j'ai fait en quittant mon épouse, vous le payez un jour ou l'autre. C'est-à-dire que le karma vous revient. Et à ce moment-là, il vous envoie une épreuve. Cette épreuve, il y a deux solutions. Soit vous ne la surmontez pas, vous tombez dans la déchéance, voire vous vous suicidez. Soit vous la surmontez,
Et à ce moment-là, vous progressez. C'est-à-dire que vous avez fait une sottise, on vous envoie une épreuve, et si vous arrivez à surmonter cette épreuve, à ce moment-là, vous en êtes récompensé et vous progressez. Et c'est en ça que je dis que le mal que vous avez fait peut se transmuer en bien, si vous êtes capable de surmonter l'épreuve. Moi, j'ai surmonté l'épreuve. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à revenir aux spiritualités que j'avais abandonnées à la fin de mon adolescence. C'est là que je suis revenu à l'hindouisme et au bouddhisme, mais beaucoup plus profondément que lors de mon adolescence. Contrairement à ce qu'on peut croire, le bouddhisme est une spiritualité très exigeante. Très, très exigeante. C'est pas du tout le fait de dire. C'est pas du tout le fait de dire de s'asseoir sous un arbre et puis de divaguer. C'est pas ça. Tout comme l'hindouisme, quand on croit en Krishna, etc., ce qui est mon cas, c'est pas du tout d'aller dans la rue seulement et de dire Hare Krishna. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus exigeant. Et justement, le fait d'avoir retrouvé cela et le fait de m'être replongé là-dedans, ça m'a permis justement, ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de comprendre justement cette analogie du tapis, qui en fait tout était pour le bien, et que dans le relatif c'était mal, mais que tout était pour le bien, et que surtout, en fait, nos âmes sont toujours pures. Comme le ciel qui est bleu, les nuages ils sont en dessous. Les nuages ils sont pas dans le ciel, ils sont bien au-dessous, ils peuvent se dissiper. Et bien notre âme c'est ça. Notre âme, elle est pure, mais nous avons des nuages parce que il faut progresser. Et chaque vie, nous devons écarter au moins une couche de nuages. C'est ça. Et vous voyez, là, j'ai commencé à méditer beaucoup plus qu'avant. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais quand j'ai quitté mon épouse, pourquoi je l'ai quittée? Je ne rentre pas dans les détails, hein. Mais j'ai quitté parce que je souffrais. Je souffrais tellement que j'ai pas été capable de gérer l'affaire. Et j'ai cru que la fuite m'apporterait le bonheur. Ok. Mais donc je me suis comporté, disons-le, comme un salaud. Pas parce que j'étais un salaud, mais parce que je souffrais. Et que je ne voyais plus comment faire. Et à ce moment-là, je me suis comporté comme un salaud. Et je me suis dit, mais Vincent, si tu donnes cette excuse à toi, et les autres, quand ils se comportent comme des salauds, est-ce que ce serait pas comme toi? Et j'ai analysé les comportements dans mon couple, de mon épouse aussi. J'ai analysé d'autres comportements, l'adversaire, et j'ai compris. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a que des douleurs, des souffrances et des manques, qui font que les gens peuvent se comporter avec méchanceté. Mais ce n'est pas dans leur âme qu'ils sont méchants. C'est leur douleur, leur manque, leur souffrance qui font qu'ils se comportent comme ça. Et voyez-vous, par exemple, je vais prenons l'exemple des gens de Balance ton antisémite. Regardez leur blog. Mais ce sont des gens qui ont peur. Ils ont peur. Ils traquent les antisémites, ceux qui croient être des antisémites, des fois qui en sont vraiment, des fois qui n'en sont pas, mais parce qu'ils ont peur. Ce sont des gens qui disent toujours ah, des mots à l'acte, il n'y a qu'un pas, patati patata, mais vous sentez que ils ont peur, donc ils ont la haine. On a la haine de ce qu'on a peur. Ils ont la haine, et comme ils sont du bon côté du manche, ils sont du côté des plus forts pour l'instant, cette haine et cette peur fait qu'ils sont je veux dire, arrogants, qu'ils sont méprisants, qu'ils sont cyniques à notre encontre. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Il ne faut pas s'arrêter à cela. C'est leur peur, c'est leur souffrance qui les fait comme ça. S'ils se débarrassaient de leur peur et leur souffrance, il n'y aurait plus de problème. Et voyez-vous, je me dis, mais finalement, quand je choisis mes épreuves, je choisis mes adversaires. Donc, tous ces gens qui me poursuivent, tous ces gens,
mais ce sont des gens qui participent à mon évolution. En me faisant souffrir, ils me font réfléchir, ils m'apportent des épreuves, et en surmontant les épreuves, je me bonifie. Donc ces adversaires, en fait, sont des amis. Ils ne sont pas des adversaires. Bien sûr que dans le relatif, si vous regardez au niveau le plus bas, ce sont des adversaires. Mais si vous vous élevez, ce n'est pas des adversaires. Je suis persuadé on joue tous un rôle sur la Terre. On joue tous un rôle. Le rôle qui nous convient pour les épreuves qu'on a. Mais ce n'est qu'un rôle. Notre âme, elle est toujours pure. Notre âme est toujours lumineuse. Nous avons un rôle sur la Terre. Mais une fois que nous sommes sortis, et c'est ce que j'ai expliqué un jour, moi je me vois bien avec mes adversaires, une fois qu'on sera passé dans des dimensions supérieures, où il n'y aura plus toutes ces querelles terrestres, moi je nous vois tous à la même table, amis, en disant alors, t'as bien joué ton rôle, ah oui, toi tu m'as, hein, toi t'as été un sacré révisionniste, hein, ah, t'étais, ouais, mais toi, hein, ah, toi tu m'en as traîné devant les tribunaux, hein. Ouais, mais on se serre la main, c'était ce qu'il fallait faire pour que chacun. On est des épreuves. Donc, voilà pourquoi j'ai absolument aucune haine contre ces gens. J'ai absolument, je me suis dénué. Ce sont des amis de la Providence. Et n'ayant pas de haine, j'ai pas de peur. Et on en revient à la boucle se boucle. Voilà pourquoi même aujourd'hui, je vis sans me cacher. Naturellement, je vais pas crier sur tous les toits qui je suis, mais je vis sans me cacher. C'est ça qui est important. Donc, voyez-vous, pour en venir à votre question, mes enfants, ils vivent ces épreuves. Alors, eh ben, ils les vivent. Il y en a qui ont repris contact avec moi, même si c'est des contacts secrets. Et puis, il y en a, eh bien, ils me méprisent. Il y en a un, notamment, hein, oui, il a un profond mépris pour son père. Hein, lorsque je l'ai vu, puisqu'il était venu au mariage d'un de mes aînés auquel j'étais, il m'a dit, papa, coupe-toi les ongles et lave-toi les cheveux, parce qu'avec toi, le monde y reste sur place. Il est parti. Il a tourné les talons, il est parti. Eh bien, cet enfant, je suis fier. Parce que ça veut dire qu'il a des principes. Et pour l'instant, il voit que le papa qui a fait une sottise. Donc, il le méprise. Mais ça veut dire que, justement, qu'il est capable de dire, voilà, là, tu as mal fait. Il fallait pas agir comme ça. Très bien, mon fils. Tu as raison. Tu as raison. Je suis fier de ce que tu dis sans, même si pour l'heure actuelle, tu as un profond mépris pour toi. Peut-être que tu auras un mépris toute ta vie. C'est-à-dire que tu ne verras jamais le papa qui souffrait. Non, tu ne verras pas. Bon, très bien. Et peut-être qu'un jour, tu te diras, non, ouais, en fait, j'ai compris, papa, il souffrait. Parce que peut-être que toi aussi, tu auras des épreuves qui t'apporteront cela. Et qu'un jour, tu comprendras. Tu diras, non, non, mon papa, il a aussi souffert. Et on se réconciliera. Comme je suis réconcilié avec mon père à une époque, quand on s'était plus parlé depuis 2 ans, voilà. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon fils, je suis le géniteur. S'il me méprise jusqu'à la fin de ma vie, c'est pas important. Voyez-vous? Et c'est ça toute ma philosophie aujourd'hui. Et c'est pour ça que, bon bah, j'ai des épreuves. Comment ça va se terminer, cette cavale? Bon, moi, je ne me cache pas que je ne vois pas ce que je peux faire. Un jour ou l'autre, ils me chopperont. Et alors? C'était prévu ou j'accepterai? L'important, encore une fois, c'est pas l'événement. C'est la façon dont vous gérez l'événement. C'est pas l'événement en lui-même. Si, par exemple, j'avais peur, si j'étais persuadé que j'étais traqué, dans la même situation que je serai aujourd'hui, je vivrai terré. Je ne sortirai plus. Je sortirai avec un masque, des lunettes, et j'irai juste faire mes courses, voire j'irai les commander. Enfin, je vivrai plus. Mais dans le même événement, parce que je n'ai pas de peur, parce que je n'ai pas de haine, donc je n'ai pas de peur, je vis très bien. Et c'est ça qui est important, voyez-vous? Vous avez dit travailler de nuit, j'imagine que cela vous laisse un peu de temps libre. Que faites-vous de votre temps libre? Eh bien, en fait, c'est que, au début, notamment en décembre, dans mon article paru avant Noël, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit, j'ai pas menti, mais je n'ai pas tout dit. C'est-à-dire que, naturellement, dans ma fuite, j'ai aussi sauvé donc un disque dur, et par la suite, j'avais
un ordinateur en réserve. Alors maintenant, je vais vous révéler un scoop. Eh bien, c'est que depuis que je suis en cavale, je travaille environ 10 heures par jour à mettre en forme deux projets. Le premier projet, c'était de réécrire un livre sur Oradour, parce que depuis mon premier livre est paru il y aura 25 ans cette année, il est paru en juin 1997, et bien 25 ans après, il y a beaucoup de choses qui sont sorties en face. Ils ont sorti énormément de choses qui servent la cause révisionniste à 100%. Donc j'ai patiemment tout recueilli et eh bien j'ai mis en forme et donc j'ai réécrit une nouvelle version du livre d'Oradour. Elle est déjà écrite, hein, je veux dire, c'est fini, qui est bien plus convaincante, je dirais, et bien plus puissante que la première version. Donc elle est prête, le texte est fait, définitivement, il est en sécurité. Donc je dis ça à mes adversaires, même si vous m'appréhendez demain, ça ne changera rien au problème. Et donc ce livre paraîtra cette année. Voilà, première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai choisi de mettre en forme toutes mes connaissances révisionnistes que j'ai accumulées pendant 30 ans et qui se trouvent de façon désordonnée ici et là. Et le projet est en train d'être terminé. J'ai écrit à peu près 700 pages, grand format, où je résume toute l'affaire, c'est-à-dire je ne me contente pas de parler du révisionnisme, je parle aussi du national-socialisme, de l'histoire, de pourquoi Hitler était anti-juif, de ce qui s'était passé à partir des années 1920. Donc c'est toute une histoire de 1920 à 1945, avec, et puis même post-45, avec le problème d'Israël, etc. Je ne m'appesantis pas sur le problème d'Israël, mais j'en parle de la façon dont l'Holocauste a été je veux dire, orchestré et puis a été utilisé après par les sionistes. Mais donc voilà, c'est un projet qui pour l'instant fait 700 pages et qui paraîtra sous forme d'une série et qui sera donc tout un résumé des principaux arguments révisionnistes et plus. Voilà. Donc voilà, à l'heure actuelle, ce sur quoi j'ai travaillé pendant tout ce temps-là, pourquoi Oradour est fini. Et l'autre projet est en passe d'être terminé. Voilà. Donc ce sont mes occupations dans la journée. Et voyez, encore une fois, le 25 octobre, avant le 25 octobre, j'étais pris entre mes vidéos, mes cours particuliers, ma vie. Grâce au 25 octobre, grâce à cette tentative d'arrestation, j'étais obligé de changer de vie. Donc j'ai abandonné mes cours, j'ai abandonné mes vidéos, et maintenant, vivant dans une petite chambre où j'ai rien à m'occuper, finalement, que de ma vie, puis j'aide un peu le propriétaire, mais c'est tout, j'ai le temps de me consacrer entièrement au travail. Comme quoi, une épreuve est toujours un bienfait. Et vous allez pouvoir en bénéficier. Cette épreuve qui m'a été imposée à partir du 25 octobre est un bienfait. C'est une belle leçon de vie. On peut dire merci aux adversaires. Et oui, on peut dire merci. Ce ne sont pas des adversaires. En fait, depuis des années, je devais faire ce projet. Depuis des années, on me disait quand est-ce que vous republiez Oradour ? Quand est-ce que vous ferez, surtout la mort depuis le professeur Fourisson, quand est-ce que vous ferez un livre synthétique sur le révisionnisme ? Je me disais, oui, je vais le faire. Puis je ne le faisais jamais. Parce que j'avais des cours, là, mes vidéos, machin, et à chaque fois, je disais, oui, je vais le faire, puis je ne le faisais jamais. Et bien, au bout d'un moment, la Providence a dit, bon, Vincent, maintenant, il est temps d'arrêter, là. Il est temps de faire ton projet. Et bien, je vais utiliser tes adversaires pour te forcer. Parce que comme tes amis, tu ne les écoutes pas, et bien, tu vas mieux écouter tes adversaires.
Tu vas mieux écouter quand la police va te présenter sa carte en disant « On vient pour vous !» Et ben voilà. C'est un bienfait. C'est un bienfait, c'est extraordinaire. Et voilà pourquoi, personnellement, la vie est belle. La vie est belle, même dans les épreuves. Seulement, elle vous demande, face à l'épreuve, de la gérer. De la gérer positivement. De ne pas sombrer dans la rancœur, sale flic, sale adversaire, sale juif, etc. Non, de dire, mais non, il y a une raison à cette épreuve qu'ils m'ont envoyée. Il y a des raisons. Ces raisons, elles sont positives. Donc, pardon, je ne dois pas m'opposer. Vous savez, il y a un enseignement d'un livre qui s'appelle Le Cours en Miracle qui est très bon. Ce à quoi tu résistes, persiste. C'est vrai. Il ne faut pas résister à quelque chose. Il faut surfer sur la chose. Vous avez une épreuve, vous surfez sur cette épreuve. Et c'est ça qui est très très important. Un compagnon de Drummond, qui a beaucoup moins laissé son nom à la postérité, avait fondé la Ligue antisémite. Et il disait, sur mon drapeau, c'est marqué toujours en face. Toujours en face, face aux Juifs. C'est une erreur. D'ailleurs, ça n'a rien donné, ce combat. Ce n'est pas toujours en face. C'est profiter de ce que nos adversaires font, nos adversaires dans la relativité, pour aller toujours nous-mêmes vers un mieux. Et c'est pour ça que je dis toujours, moi je ne réagis pas à mes adversaires. J'agis pour le bien commun. Et mes adversaires sont des petits aiguillons qui sont là pour me forcer à agir. Et vraiment, le 25 octobre, ça a été le cas extraordinaire. Voilà, on m'a dit, voilà, maintenant Vincent, tu te mets à ton boulot ce que tu dois faire. C'est tout. Arrête de faire des tas de vidéos, des tas de machins, c'est plus le moment maintenant. Voilà, je ne pouvais pas entendre raison. Avec mes amis qui me disaient, allez, travaille. La Providence m'envoie. Et voilà, ben ce sont tes adversaires qui vont te faire ça. Et voilà. Et donc, merci à mes adversaires. Merci. Pourquoi je les haïrais? J'ai aucune haine, au contraire. Et remerciez-les vous aussi. Si ce livre sur Oradour, vous allez l'avoir, et si cet autre projet, vous allez l'avoir, c'est grâce à eux, à des adversaires. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de cet entretien et de cette rencontre qui m'a fait reparler français un petit peu.